principal, c'est qu'en France, l'espace de débat public, l'espace pour la réalisation des droits civiques et politiques est en train d'être réduit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce qu'Amnesty International dit ça? Tout d'abord parce que le droit de manifester a fait l'objet de nombreuses restrictions au cours des dernières années et en particulier au cours de la dernière année. Parce que l'utilisation d'armes non létales par la police a créé et la cause de blessures incroyables que ça va. Il s'agit bien là d'un carton rouge, il s'agit bien là de dire attention, les derniers développements depuis quelques années, en particulier en 2020, vont dans une direction qui est extrêmement nocive, problématique et possiblement même dangereuse pour l'ensemble des droits et libertés en France. De sécurité globale à renforcer le pouvoir des forces de l'ordre, à imposer une forme de surveillance, à contraindre les témoins, les citoyens à être beaucoup plus sur leur garde quand ils sont les témoins de violences policières. Donc cette loi, quand on s'engage dans une politique qui remet en cause ses droits, nous nous engageons dans une politique, la France s'engage dans une politique extrêmement nocive pour l'ensemble des droits humains.